Aujourd'hui, on parle avec Coach Marc Schwinard, entraîneur-chef des Gaulois du sujet de la poquetière et de l'ITA. Coach, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Très apprécié. Oui. Yes, merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Coach, comment est-ce que le programme des Gaulois se distingue des autres programmes en ce moment? Ben, chez nous, c'est sûr qu'autant le programme de football que les programmes d'études, que ce soit au Cégep ou à l'ITA, parce que, euh, comme je te le mentionnais plus tôt là, tantôt, nous autres, c'est un regroupement entre le Cégep de la Pocatia et l'ITA de la Pocatia. Donc, l'ITA, c'est l'Institut de technologie agroalimentaire qui offre plusieurs techniques euh, aussi. Donc, c'est ces deux institutions-là qui sont regroupées pour euh, les, euh, les sports d'excellence. Donc, c'est sûr que nous, autant l'ITA qu'au Cégep, euh, c'est la dimension humaine qui est qui est notre première chose qui nous démarque parce que, euh, autant dans le problème de football, chez nous, tu n'es pas un numéro, euh, on connaît la personne. On veut développer euh, l'athlète, l'étudiant, puis aussi l'individu. Je pense que ça, c'est quelque chose que je me fais un devoir de faire. Moi-même, je travaille dans l'éducation depuis plus de dix ans. Euh, donc, autant au, au football, on veut développer le côté humain avec les joueurs. Puis à l'école, c'est la même chose. On a des petites institutions. On ne se retrouve pas chez nous dans des, dans des cours à 80 étudiants. C'est vraiment personnel, puis il y a des, des, des suivis. Puis l'académique est vraiment euh, la priorité. Pour, pour nos institutions scolaires, c'est clair que chez nous, la réussite académique, c'est la priorité euh, de ce côté-là, ça c'est sûr. Ensuite de ça, on offre l'encadrement, comme je disais, autant académique, mais on met beaucoup l'accent sur la préparation physique. Un des gros avantages qu'on a chez nous, c'est d'avoir notre préparateur physique là, qui est euh, dans le cégep. C'est euh, carrément un des anciens entraîneurs-chefs du programme. C'est Dave Anthony Godreau. Lui, est maintenant, euh, enseignant d'éducation physique au cégep. C'est lui qui est euh, responsable de la préparation physique. On travaille avec Team Builder, l'application, s'il y en a qui la connaissent. Puis, tu sais, Dave Anthony, quand que je parle aux jeunes que, que je recrute, c'est toujours une des premières choses que je dis. Si tu ne le trouves pas au gym quand tu y vas, c'est parce que tu as mal à regarder. Parce qu'il <laughs> est toujours là, ou à peu près. Là. Donc, euh, ça, c'est clair que chez nous, c'est un avantage là, quand je parle à, à des jeunes de, qui veulent aller au cégep ou à l'TA là, dans, pour les prochaines années. Là. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que euh, de notre côté, tu sais, je te dis, on parle beaucoup du côté humain. Parce que, en tout cas, je, avec l'expérience, je me rends compte que euh, souvent les jeunes et. et ils... Ils veulent être reconnus aussi pour, pour quest ce qu'ils sont, pas juste le joueur de football. Fait que ça, moi, personnellement, c'est un devoir que je me fais euh, avec les, les kids. Quand ils arrivent chez nous, je le sais que je vais avoir une relation de deux, trois, quatre ans des fois. On n'espère pas quatre parce qu'on espère que les jeunes vont diplômer dans, dans le temps requis, là, mais ça arrive tout de même là, des, des jeunes qu'on a quatre ans, mais qu'on qu développe une relation pas juste de coach, athlète, mais bien entendu qu'on sorte et qu'on développe une relation entre individus. Parce que c'est quelque chose qu'on veut travailler chez nous, d'améliorer les personnes aussi, de faire des, des jeunes adultes là, euh, qui sortent de notre programme, puis euh, de notre programme de football, puis notre, de nos programmes d'études, qui sont capables d'entrer sur le marché du travail, ou encore euh, d'aller à l'université. Puis c'est clair que pour nous, on met euh, les objectifs des, des jeunes en premier. Il euh, y en a qui vont vouloir faire une technique, rentrer sur le marché du travail. Il y en a d'autres, leur objectif, ça va être d'aller faire un un bac à l'université et de performer aussi au niveau universitaire au football, mm -hmm. ben c'est sûr que nous autres, on va travailler avec l'objectif du jeune. Nous autres, là, ce qu'on veut, c'est vraiment se baser sur les objectifs personnels de chaque individu, des joueurs qui viennent chez nous, puis essayer de leur tout mettre en place pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs personnels. Parce que c'est clair que nous, euh, un jeune qui nous dit que lui, il veut rentrer sur le marché du travail rapidement, on ne va pas y faire un... On ne va pas le, le, le conseiller aller voir l'API pour lui faire un, un profil sur deux ans et demi, par exemple, tandis qu'un jeune qui espère vraiment jouer euh, universitaire, mais là, on va, on va le faire rencontrer l'API qui est attitrée à nos joueurs de football pour qu'elle puisse faire le, le, le meilleur euh, profil avec son programme pour performer au niveau euh, du sport, puis aussi rentrer dans le meilleur timing si on veut à l'université après, après ces années de séjour. Un autre point qui est quand même intéressant chez nous, là, que je ne t'ai pas mentionné, euh, c'est qu'à Montmagny, il y a le centre d'études collégiales qui est un campus du cégep de la Pocatière. Puis euh, il y a une technique qui se donne là-bas, qui ne se donne pas ailleurs. Puis qui, donc, les, les, cette année, j'avais un joueur là, qui était là au centre d'études à Montmagny. C'était environ une demi-heure de route. C'est okay. sûr que ça prend une voiture pour venir, mais c'est quelque chose qui se fait. On a déjà eu plusieurs joueurs là, qui, euh, qui allaient au, au, au centre d'études là-bas. Fait ils, peuvent, ils peuvent fréquenter le centre d'études collégial à Montmagny, puis être, euh, tant qu'ils sont étudiants à temps plein, puis faire partie de nos équipes sportives sans problème à, à l'Apocatia. Selon toi, coach, les étudiants athlètes, quand ils viennent le temps de, de faire une sélection de cégep, à quoi il faut qu'ils mm -hmm. pensent pour être sûrs de faire le bon choix? Ben écoute, on ne serait pas, on serait pas des, bons, euh, des bons intervenants en éducation non plus si on ne disait pas que c'est les études en premier. Clairement, moi, ça part, ça part de là. On ne peut pas passer à côté. Euh, il faut que les, le programme d'études soit le premier choix euh, du jeune. Puis après ça, on peut commencer à discuter là, de, de toutes les autres choses qui viennent aux alentours. Là. Donc, le, le choix du programme d'études, c'est la priorité. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a la proximité, l'aspect euh, du quotidien dans ta vie quand tu veux. Euh, quand tu vas aller à l'école, clairement, une des choses souvent que c'est les parents un petit peu qui vont regarder, c'est les coûts. Ça, c'est quelque chose qui peut se démarquer vraiment chez nous parce que le coût de la vie à la ce c'est pas à Montréal, c'est pas Québec, c'est le prix des appartements, résidences, etc. C'est vraiment faible. Puis ça, j'en profite pour le dire, c'est que chez nous, c'est un avantage numéro un. On a quelques joueurs qui proviennent de la région de Montréal ou plusieurs de la région de Québec. Puis c'est quelque chose qui qui, eux, ne veulent pas retourner par en arrière parce qu'ils aiment la vie ici dans le sens où il euh, n'y a pas de trafic, là, on est à les résidences, c'est à cinq minutes du cégep, euh, tout est proche. C'est une petite ville, l'Apocatia, la toutefois, c'est vraiment une, une ville étudiante. La proportion d'étudiants pendant les sessions d'études, c'est plus de 20% de la population là, ça représente, fait que c'est quand, quand même vraiment majeur. fait qu'il y a vraiment une, une vie de campus là, ici, en regroupant les deux institutions collégiales. Puis, euh, c'est ça. Donc, le, le coût, la proximité, mais bien entendu, le programme d'études en premier. Puis, ensuite de ça, je pense que c'est la relation qu'il peut établir avec l'entraîneur qui va le recruter. C'est pour ça que, pour nous, ça demeure une priorité euh, de connaître les jeunes, de connaître leurs intentions, connaître leurs intérêts pour essayer de les appuyer le mieux possible. Puis, ensuite, euh, de demander aux entraîneurs euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Ça, je pense que c'est une chose que les jeunes devraient demander à leur entraîneur. Moi, mes objectifs personnels que je veux faire dans les deux, trois prochaines années, c'est ça, ça, ça. Euh, comment vous allez faire pour m'aider à atteindre ces objectifs-là? Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Euh, puis aussi, ben, c'est de ne pas hésiter les, les jeunes euh, qui, qui magasinent, si on veut, les, les programmes de football ou les Cégep, mm -hmm. de ne pas hésiter à poser toutes les questions qu'ils ont le goût de poser aux entraîneurs parce que... Euh, pour ma part, moi, c'est vraiment quelque chose que je me fais un devoir. J'ai connu plusieurs jeunes dans le passé qui, qui ont été déçus quand ils n'arrivaient pas dans notre programme mais qui sont revenus des fois même chez nous après avoir été ailleurs parce que la réalité n'était pas comme qu'ils se l'imaginaient. Fait que les jeunes, il faut poser vos questions. Puis, euh, tu sais, normalement, les coachs, d'être, trans... je pense que ça va de d'être transparent. Moi, je montre toujours là, mon... Mon depth chart carrément aux, aux jeunes qui, qui s'intéressent à leur position, euh, que ça, comment que ça regarde, puis euh, parler aux coachs de position, puis de, de surtout de ne pas être gêné, puis de poser toutes les questions qui viennent en tête parce que c'est une décision qui est vraiment importante. Puis ces années-là, tout le monde qui a fait du football collégial, on le sait, il ne repasse pas. Fait que c'est deux ou trois années super importantes. Puis euh, on n'a pas une deuxième chance euh, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a plusieurs anciens qui repasseraient leurs années de football collégial avec. Euh, Volontiers. C'est de faire les bons choix pour avoir une belle expérience au niveau euh, du football collégial puis de la vie au cégep aussi. Là. Coach, ton équipe yes. est en troisième division dans le nord-est. Yes. Euh, où en es-tu avec la progression de ton équipe vers la conquête d'un championnat? Ouais, écoute, c'est sûr que chez nous, on a eu, euh, il y a quelques années, des, des saisons difficiles, là, euh, mm -hmm. trois saisons en ligne difficile, jusqu'à, je ne me trompe pas, on, on a relevé la barre un petit peu en partir de 2018. Puis là, on est en progression, vraiment, nous autres, ça, depuis trois ans, on a eu des bons recrutements. Euh, puis, on veut vraiment continuer cette progression-là. C'est sûr que cette année, on, on avait des, des bonnes aspirations, on avait une équipe quand même, je pense, pour euh, encore encore faire les séries, puis peut-être espérer mieux se classer, puis peut-être même aller chercher une win en playoffs deux, trois, puis on ne sait jamais. Un coup qu'on est dans mm -hmm. les playoffs, hein, tout est possible. Euh, c'est clair que pour moi, l'objectif, c'est de ne pas, pas reculer. Je veux qu'on ait une équipe qui est compétitive. Je veux qu'on se classe dans les playoffs. On a une très bonne base de vétérans qui reviennent, mais ça va quand même me prendre un, un gros recrutement. Là. Puis le but, c'est de toujours garder la, 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 la pente vers le haut ce que je veux, c'est donner toutes les opportunités à notre programme de performer. Pour ça, il faut se rendre au mois de novembre. Puis une fois qu'on qu est au mois de novembre et que tous les éléments sont là dans notre, dans notre équipe, euh, tout est possible. Puis, tu sais, je pense que tout le monde qui suit un peu le, la division 3, du moins, ils le savent. Euh, que notre programme il y a eu des années difficiles puis tout le monde le sait aussi que présentement on est sur une voie ascendante puis on va travailler très fort de cet hiver puis dans le recrutement pas juste dans le recrutement là, mais on va travailler très fort en salle préparation physique avec nos vétérans qui reviennent pour qu'ils soient encore plus prêts surtout que la dernière saison qu'on vient de connaître hein, ils ont pas eu surtout les, les gars qui étaient recrutés en 2020 ils n'ont pas eu l'expérience qui leur aurait permis de de, de progresser comme joueur de foot autant que s'il avait joué huit matchs. C'est sûr ce que nous, on a vraiment profité de toutes nos semaines. Là. On a commencé le 1er août, notre camp d'automne, puis on a arrêté là, le samedi, le 24 octobre. On a été chanceux de pouvoir jouer un match, un vrai match, contre Rimouski. Puis nous autres, on s'est fait aussi là, deux, deux goal gaulois ball on, on a séparé notre équipe en deux, puis on on a fait vraiment deux matchs complets là, avec les unités spéciales et tout. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça, je voulais donner du temps à nos finissants pour euh, ceux qui espèrent aller à l'autre niveau l'an prochain, puis aussi donner de l'expérience à nos recrues. C'est clair que pour moi, si on me demande c'est quoi l'objectif pour les prochaines années, ben, c'est de continuer euh, la, euh, la, 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 la pente ascendante de l'équipe vers euh, la performance. Je pense que tout le monde sait ça, mais clairement, on, on a établi des standards qu'on a. Dans les dernières années, puis on ne veut pas retourner en bas de ça. Là. On n'a pas le bassin des, 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 des régions comme Montréal, Québec, etc., là, où il y a des programmes avec des cégep à plusieurs milliers d'étudiants. Ce n'est pas notre réalité chez nous. Nous autres, c'est une petite institution collégiale, puis on travaille très fort pour attirer des joueurs ici, puis progresser. C'est quand même un grand défi avec, avec un cégep de la taille qu'on a, si je peux dire ça. Donc, si on parle de tes besoins les plus criants pour ton équipe en 2021, on parle de quoi? J'ai des besoins à toutes les positions. Ça, c'est sûr. Toutefois, le, le, mon besoin le plus criant dans mon front défensif, j'ai euh, des, euh, des gros morceaux qui sont partis cette année euh, après la, depuis. Ben, ils ne sont pas partis encore, mais ils, fin ils finissent cette bon, année-là. Bon, ils quittent cette année là, le Cégep et notre équipe. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, euh, ça va être mes priorités. Là. Donc, autant sur la ligne défensive que secondaire de ligne, c'est deux places qui sont névralgiques dans mon recrutement cette année. Puis, euh, l'autre position où je veux recruter, puis j'imagine que c'est comme ça, euh, j'imagine pour beaucoup de gens. Euh, sur ma ligne offensive, c'est. Euh, on veut toujours s'améliorer à, à cet endroit-là, c'est évident. Euh, j'ai quand même quelques joueurs qui reviennent, mais c'est sûr que j'aimerais ça quand même m'améliorer à cette position-là, c'est sûr que sur la ligne offensive. Toutefois, là, à chaque position, j'ai quand même des besoins. Il faut que j'aille chercher là, plus, plus qu'une vingtaine de joueurs là, pour, pour combler, compléter mon équipe pour la prochaine saison. Fait que j'en ai besoin là, un peu à toutes les positions, mais surtout dans mon front défensif. sa la ligne offensive, j'aimerais ça m'ajouter trois ou quatre gros bonhommes, certainement. Là, ça, ça nous ferait du bien, ça, c'est sûr. <laughs> On est, mon, mon coach au line n'attend que ça, ça, c'est clair. <laughs> Qu'est-ce qu'on répond aux Gaulois, aux jeunes qui vont arriver quand ils vont poser la question « Coach, ça va être quoi mon rôle dans l'équipe? Ben, » Le rôle dans l'équipe, il va varier vraiment de... D'un athlète à l'autre. Comme je, comme je t'ai mentionné tantôt, là, on veut vraiment travailler avec les individus. Fait Autant ça dépend le, le joueur qu'on va recruter. Puis moi, je, je vais être honnête avec chaque jeune. Ça, c'est ma priorité. Parce que je ne veux pas qu'ils soient déçus parce que ce n'est pas bon pour la suite des choses. Anyway, leur, leur, leurs anciens coéquipiers, etc. Donc, c'est sûr qu'un joueur qui arrive puis que. Il fait sa place, il a autant la chance d'être partant. C'est sûr que si c'est un joueur de ligne défensive ou secondaire cette année, ben ses chances sont peut-être meilleures parce qu'on a des plus grands besoins à cette position-là. Mm -hmm. Toutefois, puis ça, mes vétérans sont au courant de ça. Moi, je suis à l'aise de le mentionner. On veut avoir la meilleure équipe sur le terrain. Ça fait que s'il y a un recrue qui arrive, que c'est le meilleur joueur, qui est prêt à jouer, que sa préparation physique est à un, euh, il comprend notre système, il est prêt, puis c'est le meilleur joueur, il va être sur le terrain. Je veux dire que pour moi, là, ça se passe vraiment au camp d'entraînement. C'est là, là que ça se joue. Puis, oui, on, on crée des liens avec les individus, comme je disais, mais quand on, on arrive au, au point de joueur, foot, joueur de football, ben là, on laisse, on laisse ça de côté un petit peu, puis on va mettre euh, la meilleure équipe sur le terrain, évidemment, ça, c'est clair. Puis euh, les pratiques hivernales, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de statuer, puis à la fin de l'hiver, de dire vraiment aux jeunes où ce en sont dans notre... Euh, dans notre évaluation. Là, euh, tes chances de jouer l'année prochaine sont très élevées, tes chances d'être partant sont moyennes, un peu élevées, etc. Puis on le dit tout le temps, il n'y a, a, a pas de cachette avec ça. Puis euh, ça a été très transparent depuis, euh, depuis que j'ai pris le rôle de coach en chef ici. C'est comme ça que, que je fonctionne. J'espère d'ailleurs qu'on va avoir des pratiques hivernales pour nous permettre de le faire parce que là, pour le moment, on... c'est un gros point d'interrogation. Puis euh, ça, c'est quelque chose d'habitude qui chez nous, c'est qu'on fait quatre pratiques hivernales, deux à Rivière-du-Loup, puis deux dans la région de Québec, dans des salles intérieures. Donc, ouais. euh, c'est quelque chose qui nous permet d'aller toucher des jeunes de différentes régions aussi. Fait que ça fait on se croise les doigts pour que ça puisse avoir lieu, là. Coach, si tu avais la chance de t'adresser à un groupe de joueurs en secondaire 4, qu'est-ce que tu leur dirais qui est la chose la plus importante à comprendre ou à saisir quand ils vont rentrer en secondaire 5 l'année prochaine? Il faut qu'ils aient choisi le bon profil académique au secondaire pour être en mesure de faire les bons choix académiques ensuite au Cégep. Parce qu'on le voit souvent des jeunes qui n'ont pas les acquis, là, exemple les maths, le, le, le cheminement des mathématiques. Là. Pour mmh. donner juste exemple-là. Puis la priorité des jeunes qui passent en secondaire 5, c'est se concentrer sur leurs études. Parce que s'ils se concentrent sur d'autres choses et euh, qui n'ont pas réussi leurs études, bien, ils ne pourront pas penser au football à la fin de l'année pour savoir ce qu'ils s'en vont jouer. Donc, il n'y a pas d'autre réponse, hein, à mon avis. C'est sûr qu'on peut donner la réponse de dire, continuez de vous entraîner, travailler fort, euh, puis profitez-en. Moi, c'est ça que je dirais, parce qu'encore une fois, ces années-là, ils ne reviennent pas. Puis ton année de secondaire 5, c'est supposé être une, une super année là, au niveau de ta performance, puis de, de ton équipe, puis le feeling que tu as avec, avec tes chums. Fait que moi, c'est ce que je dirais, de se concentrer sur le présent, puis de toute façon, euh, ils vont avoir en masse de temps à partir du mois de novembre pour se questionner, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire au cégep. C'est juste de se donner tout, de, de s'ouvrir toutes les portes avec leur choix de profil académique, de passer leur cours, puis d'en profiter. Ça, c'est clair que c'est ma réponse. Puis, euh, à change, rendu au mois de novembre ou décembre. <laughs> Coach, ça fait quelques semaines que ton équipe est sur la plateforme de Nexus Sport. Qu'est-ce que tu penses qui est l'avantage numéro un des services maintenant? Écoute, c'est sûr que moi, c'est la première année là, que, suite à ton invitation, que je l'explore. Je l'ai fait un petit peu, c'est clair que je vais le faire encore plus parce que je n'ai pas encore fouillé au complet, mais ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est que tu as toute l'information des joueurs. Tu as, as accès même à leurs euh, liens, je pense, si je ne me trompe pas, là, pour leur, leur vidéo. Là. Je n'ai pas visionné. Les tu les ouais. les as, t as le, les bulletins, tu es capable d'avoir le, leurs informations. Je suis capable d'aller. Quelque chose que moi, je trouve intéressant vraiment, c'est que je suis capable d'aller rejoindre des, des, des bassins que je ne que touche pas normalement, parce que physiquement, d'habitude, on se déplace, on va dans plusieurs écoles, on va voir des matchs l'automne, mais c'est rare qu'on dépasse beaucoup, nous autres, la région de Québec, de, vu notre situation géographique, tout ça, on va, on va dans le bassin saint laurent on va dans la région de Québec, en Beauce, etc., mais là, ça me donne accès vraiment à plus de, de, de bassins de joueurs, mon message s'adresse peut-être justement aux, aux jeunes que je connais moins, aux bassins, aux équipes, aux coachs que je n'ai pas eu la chance de, de rencontrer ou de connaître. Euh, prenez le temps de connaître tous les programmes, même s'ils sont en région, parce que ça offre plein d'avantages. Ne serait-ce que je dis, le coût, euh, la qualité de vie qui est vraiment, à mon avis différentes. Là, je ne veux, euh, veux pas faire de mauvaise comparaison, mais c'est différent, il faut, euh, faut le dire. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. puis Prenez le temps de tout regarder, on en développe. Là, puis, tous mes confrères en division 3, là, je, je parle aussi parce que je le sais qu'ils font, là, en division 3, si tu es un bon athlète, que tu es sérieux, que tu t'entraînes, puis que tu performes sur le terrain, tu vas aller à l'autre niveau. fait que Ça, ça c'est clair. C'est sûr que euh, okay. division 1, division 2, c'est des, des, des niveaux de football plus élevés, mais si tu t'en viens en division 3 avec des objectifs personnels d'aller à l'autre niveau, puis que tu as les qualités athlétiques, que tu es sérieux à l'école, puis que tu as euh, une très bonne éthique de travail, tu vas te rendre à l'autre niveau quand même. À chaque année, on place des joueurs universitaires, on a des joueurs qui ont performé euh, à l'autre niveau, puis ça, je parle pour tous les programmes là, de Détroit. Fait Prenez le temps, les, 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 les jeunes, de, de bien analyser la situation, puis pensez à vos besoins, puis à vos objectifs. Euh, un des points euh, que je voudrais t'ajouter, c'est qu'on vient vraiment de faire un, un gros euh, un atout majeur pour notre programme. On vient de rénover au complet notre salle d'entraînement au, au Cégep. Puis, euh, on est rendu, on a sept plateformes cage à, à squat, bench, haltérophilie. Euh, qu'on est capable de s'entraîner. Euh, une méchante partie de l'équipe en même temps puis on, on se pile pas ses pieds on est vraiment c'est vraiment rendu ça à la coche là, devant des il a fait une méchante bonne job avec la planification de tout ça euh, puis euh, c'est sûr que là c'est neuf puis nos tous nos joueurs présentement sont super heureux puis j'ai bien j'avais bien hâte de pouvoir montrer ça aux futurs recrues là, qui voudraient s'en venir chez nous là, ça c'est clair Coach Fouinard, merci beaucoup pour ton temps très apprécié